Bon, je requiers à Agua, là c'est plus rapide. Hein, c'est Agua, là. Là c'est rapide. Hein? À Agua. Ouais, Agua. Mm. Agua, ça va? Comment me regarder? Il est là pour toi. Je suis là pour faire ma délivrance. Elle est là pour faire. Mani, ça va? Oui, ça va, papa. Tu es venu au CHU? Tout le monde est là. Tout le monde est là aujourd'hui. J'ai dit, tu es venu au CHU? Oui, papa. C'est comme ça que je suis. Quand vous n'avez pas de problème, vous me fuyez. Papa, je viens tous les jours. Quand ça prend votre vie, c'est comme ça que je suis. Je fais comment? Un père reste un père. L'enfant reste enfant. C'est comme ça. Si je vous laisse, moi, vous mangez la sauce au berger. Hein? On est obligé de vous accepter. C'est ça. C'est pas ta servante là, j'ai dit les sorcières, elle dit non, les vraies sorcières. C'est elle. Agua? Agua. Le micro. Tu es venu la dernière fois avec elle, non? Papa. Comment est-ce que tu es? Et puis je t'ai dit que tu es sorcière, non? Et papa. Mais laissez le micro là, sans micro, on attend. Oui, ça ne connaît pas. Agua, la dernière fois, il dit quoi? C'était quoi? Faut parler, hein? Faut parler. J'ai dit que tu étais quoi? Mami était sorcier. Hein? Mami était sorcier. J'ai dit que tu étais sorcier. C'est ça? Papa. Et puis toi, tu as dit quoi? J'ai dit non. Je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Est-ce que je t'ai forcé? Non. Elle a dit non. Je n'ai pas laissé la vie. C'est ça, papa. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois. Ça dépasse. Ça dépasse. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, papa. Ça fait 6 mois. Mm-hmm. C'est moi qui vous ai ramené? Non, papa. Ah. Maintenant, Dieu, tu es revenu. Oh, hey, je ne suis pas en train de manger, hein. C'est pas de la comédie. C'est pas de la comédie. Quand on veut vous délivrer, vous traitez tout le monde de menteur. On parle de l'un, lui, il a menti. J'étais pas obligé de te prendre. Hein. C'est pour le respect. Ouais, sinon, toi-même, là, tu venais, tu allais prier pour toi. Et puis Dieu, tu allais partir. C'est pas question de non, le prophète est mauvais. C'est vous qui t'as emballé le nom de tout le monde. C'est vraiment, tu as vu le prophète, c'est un faux prophète. Il a menti sur mon chat, tu as dit. Ça, tu as dit ça. Donc, c'est mon temps de parler sur toi. Ah, mais tu as dit ça. Si tu as dit ça, c'est mon temps de parler sur toi. Vous trouvez toujours hors l'aide de la sorcellerie. C'est moi qui t'envoie ici. Hein? Je te demande. Non, papa. Mais ton sourire, là, ça vient d'où? Pourquoi ce sourire? Pourquoi tu vois ça en deux? Non. Mais pourquoi tu souris comme ça? Bon, je préfère que tu arrêtes de sourire. Parce que je suis en train de parler ma fille très sérieuse. Parce que le problème de sorcellerie, pour moi, c'est pas un jeu. Voilà. Le problème, c'est que tu es venu, on a parlé de ça, et tu es parti. Tu as nié ta sorcellerie. Tu es parti. Moi, je suis quelqu'un, la Bible dit, on reconnaîtra le prophète au grand. Peu importe, vous les sorciers, d'abord, la première chose, vous aimez beaucoup mentir. Vous aimez beaucoup nier. Et puis un jour, ça sort au grand jour. Ok. Maintenant, tu es parti. Tu as nié, non? Tu fous quoi ici? Est-ce que je veux ma délivrance? Tu es venu dire la vérité au faux prophète que je suis là. Et papa? Ah, là, je suis faux prophète. Non. Ah, parce que vous avez bien dit, vous avez dit, ah non, tu as certainement dit, non, c'est un bon prophète, il a menti sur moi. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit. Oui. Maintenant, tu fous quoi devant le bon prophète? Ah, il faut parler. Si tu ne me donnes pas cette réponse, je te laisse. Parce qu'il faut que tu me parles, parce que vous aimez gâter le nom des gens cadeaux. C'est moi qui t'ai forcé de venir. D'accord. Ça fait 6 mois. Vous n'êtes pas ici. Et vous êtes...
T'es parti. Moi, j'ai dit, j'ai donné mon point de vue selon la révélation de Dieu en tant que maréchal de cette brigade. Moi, je m'en fous de comment vous allez parler de dossier. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en train de m'amuser ça. Je suis parti. Dieu m'a testé partout. Le don là, dans les villages. Quand une telle personne est dedans, ça ne m'a jamais tombé. Ça ne m'a jamais. Tu vas monter, descendre. Tu vas peut-être me combattre, m'insulter. Mais tôt ou tard, là, tu vas me chercher. Donc, tu es venu maintenant. On t'a frappé pour venir. Non. Mais tu es venu de quoi? Je veux ma délivrance. Hein? Je veux ma délivrance. Tu dis que tu n'étais pas dedans? Réponds-moi. Tu dis que tu n'étais pas sorcier? Je veux pas. Donc tu es sorcier? Je veux pas. Mais pourquoi tu as nié ça la dernière fois? Tu n'es pas la première personne. Hein? Nous, c'est comme ça, on ne force jamais. Nous, on ne force pas quelqu'un ici. On sait que vous allez partir, peu importe le temps, vous allez revenir. Mais comme tu m'as insulté, faux prophète, c'est un menteur, il ment, menteur. Ou c'est comme ça, ils sont pour diviser les gens. Vous avez toujours le même langage pour diviser les gens. Il ment pour diviser les gens. Diviser qui? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous envoie. Je ne suis pas allé vous chercher à la maison. Je ne vous ai jamais envoyé vers moi. C'est ça le problème. Je ne vous ai jamais dit venez. Alors, quand Dieu me donne la vision et la révélation sur vos situations, moi j'en parle. Maintenant, je m'en fous de comment vous allez apprécier. Vous appréciez ou pas? C'est pas moi qui suis allé vous chercher. C'est ça. Je ne suis pas allé vous chercher. Je suis dans mon coin. Je n'ai pas invité quelqu'un. Mais quand tu viens, quand je vois quelque chose, j'en parle. Maintenant, si tu ne veux pas, tant pis, ça n'engage que toi. Je n'ai jamais forcé quelqu'un. Mais là, je suis vrai prophète. Avec toi, je parle. Non, papa. Ah, je suis faux prophète. Alors. Je te demande, je suis quoi au juste? Ah, non, c'est quelqu'un qui va te dire, mais pas dit. C'est quelqu'un qui t'a dit, comment elle s'appelle? Les deux, elle s'appelle Afou. Non. Pourquoi parler à sa place? Je pose la question à la fin. Comment elle s'appelle? Tanti Mafou. Hein? Je m'appelle Mafou. Ok. Toi qui t'as donné la sorcellerie? C'est ma grande soeur qui m'a donné. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle le quoi? Parle fort, hein? Tu n'as pas envie de parler ou pas? Dis son nom. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle le quoi? Écoua. Hein? Elle s'appelle Écoua. Parce que je n'entends pas. Donc, il faut parler un peu fort. Écoua. Très loin. Elle s'appelle Écoua. C'est un nom gagné. Elle s'appelle Écoua. Comment est-ce que la sorcellerie? Elle était à la maison. Elle était malade. Elle n'est pas la faute traduite. C'est ça, elle a dit d'aller payer pain pour elle. Et si elle s'est partie payer le pain. Et puis, elle l'a envoyé. Combien? Quoi? Elle était à la maison. Elle était malade. Donc, elle l'a envoyé d'aller payer du pain pour elle. Elle va manger. Du pain. Du pain. Elle va manger et puis elle va boire ses médicaments. Et lorsqu'elle est arrivée avec le pain, elle lui a dit, prends aussi. Tiens, elle dit non. Elle dit, prends aussi. Mamie, laisse-la parler de nous. Oui. Ça, elle a coupé aussi, elle a dit l'envoyer le roi boire. Si je suis partie prendre l'eau là. Ça l'a coupé aussi, elle dit de prendre et manger. Elle est d'une canne à manger, comme elle est malade. C'est du nom fait de quand je mange. Ça, il est fou et puis il mange. Quand il a mangé, là, elle est venue me chercher. Elle disait qu'il a mangé, c'est pas peine de la rembourser. C'est que le rembourser par petit peu le monde. Parle fort. Elle dit, sa grande soeur lui a donné le pain, elle dit elle ne mange pas. Donc elle lui a forcé, elle a pris le pain, elle a mangé. Et la nuit, sa grande soeur est venue la chercher pour aller dans le monde de la sorcellerie. Et elle lui a dit, le pain que tu as mangé là, ce n'est pas du pain, que c'est la chair de l'homme. Mais il faut me rembourser. Et elle a donné le petit frère de son papa. Ok. Très bien. Et tu as donné qui? Le petit frère de mon papa. Le petit frère de son papa. Et moi, comment il s'appelait? Il s'appelait Kofi. Il s'appelle Kofi. Et tu as tué combien? Il y
150 personnes. Donc, avant que tu n'arrives au centre où j'ai dit que tu étais sorti, ça fait maintenant 6 mois que tu reviens. Tu avais déjà tué, non? Non, j'ai déjà tué l'oncle de mon petit frère de mon papa là. Avant qu'il ait venu ici. Elle a tué son oncle avant de venir ici. Mais avant de venir, elle a déjà tué beaucoup de gens. Toi, arrêtez ta comédie là. Tu avais déjà tué. C'était pas une petite sorcière. Non, tu avais déjà tué, mais pourquoi tu ne voulais pas parler? J'ai attendu à l'opéry. Ma petite sorcière. J'ai attendu la sec par l'autre, je l'ai dit. Après, comment elle a fait pour toi? Pourquoi elle a une influence sur toi? Pourquoi elle t'interdit de ne pas dire? Et puis toi, tu refuses. Moi, je veux savoir. Pourquoi on est venu ici, là? C'est ça qu'on m'a posé la question. Puis m'a dit, non, si elle vient ici, elle me demande que je ne veux rien, j'ai dit, sinon, on va me tuer. Elle dit, quand on est venu ici, et puis la photo est partie, et puis tu as dit, les deux étaient sorcières. Et puis les deux étaient arrêtés devant ici là. Ma petite soeur lui a dit, si tu dis, je vais te tuer. Donc c'est ça, elle n'a pas dit. Donc vous êtes ensemble. Réponds-moi. Vous êtes ensemble à la sorcellerie. Elle joue quel rôle dedans? Puisque vous n'êtes pas de même famille. Elle joue quel rôle? Elle fait quoi dans la sorcellerie? Elle prépare. C'est elle qui fait la cuisine. Et qui tue? Qui tue le? Parfois c'est moi, parfois c'est les autres qui sont là-bas. Parfois c'est elle, parfois c'est les autres qui sont dans le compte. Ah, donc vous êtes nombreux alors? Oui. Combien? On est cinq. Qui sont où, les cinq là? Il y a qui et qui? Quand je suis parti, je suis parti trouver trois personnes là-bas. Et les cinq là sont où? Ils sont là-bas. Là-bas où? C'est chez moi. Ils sont là-bas, là, je connais. Je ne connais pas le coin, mais ils sont dans les herbes. Elle dit qu'ils sont dans les herbes, qu'il y a un gros bois où ils se réunissent. Ils sont là-bas. Pour pas me distraire, c'est les rats ou bien? Ils sont dans les herbes, on verra. Tu ne veux pas parler, tu dégages. Okay? Ils sont cinq. Comment tu t'envoies? Tu ne veux pas parler, tu dégages. Moi, je vais m'équiper de moi, je vais aller faire le sport. Parce que tu ne peux pas jouer à nous. Ce ne sont pas des rats, ce sont des personnes avec lesquelles tu fais la sorcellerie. Quand tu dis, moi, je veux savoir. Voilà. Moi, parce que tu es venu, je veux savoir. Ce n'est pas demain que tu as rencontré des choses, je veux savoir. C'est vous qui insultez les gens, rencontrez les colonies sur les gens. Et puis après, vous avez besoin de lui. Vous êtes déjà deux. Les trois autres personnes sont où? Ils sont au village là-bas. Ils sont au village. Ils sont au village là-bas. Quel village? Où se trouve la tante là? Le village où se trouve ma petite soeur là, au campement là. Mais pourquoi tu parles à sa place? C'est elle qui dit. Moi je veux savoir, il faut qu'elle parle. Mais toi, t'as quel rapport, madame? Il a chié dans sa maison. Elle a chié dans la maison. Il n'y a pas un WC là-bas? Il y a deux WC. Elle a pour un seul. Hein? Il y a deux WC. Il y a WC. Deux WC. Il y a deux WC. Il y a un au dehors et puis un dans la maison. Oui. Donc elle a pour elle seule. Oui. Pourquoi? Elle chie beaucoup quoi? C'est elle qui a demandé à rester au dehors. Moi, je pose trop les questions bêtes, mais souvent c'est bon pour moi. Et c'est ce qui fatigue moi. D'ailleurs, tout ce que je veux savoir les choses et moi, je pose trop les questions. C'est pas que je vois, les gens voient ça un peu bête, mais c'est beau. Comment elle seule, elle t'aimerait comme ça? Tu n'as pas gros vent, tu as toi ceux qui as baissé, c'est pourquoi? Je suis beaucoup bien. La dame, vous l'avez pris dehors, elle va chier. Maintenant, elle a chier ça. Elle a chier aussi, chier ou maintenant? Elle a chier.
Au salon. Monsieur au salon, plus de la maison. Dans ma chambre. Dans le salon, tu non, pour dire les parents, j'ai chié, beau. Caca du sorcier, laisse tranquille. Caca de sa femme, maintenant pour sorcier là, vous venez. Ça mauvais. C'est pourquoi. Elle est cachée la vie de la maman. Ma petite sœur lui a dit de chier dans la maison, elle va cacher ma vie. Alors, chier là, ça vous casse ta vie. Comment? Elle est déchirée, puis bon pour. Badigeonner la maison. Ah, badigeonner la maison. Papa. C'est ça. Pour faire peinture. L'hôtel de caca de sorcier. Vous-même, là, votre ennui, là, il faut que ça soit que Dieu brûle ça. C'est la vérité, hein? Le Seigneur aussi, il y a des choses, il laisse faire façon. Il brûle la nuit pendant que tu chies, tu es amoureux, ça brûle la nuit. D'ailleurs, même qu'elle est dans la salle là-bas, tout le monde, le jour où le sorcier va vouloir chier chez vous, que son anus soit brûlé. Fais chevaux, on va le l'ange Michael va mettre dedans. Amen. Et tu as badigeonné cette peinture maintenant, ok. Et tu as fait quoi après? Et puis il n'y a plus son âme. Elle a plus son âme. Oui, papa. Ah, c'est sérieux maintenant. Tu as plus son âme, ta main là-haut. La maison au village là-bas. Pour faire quoi? La tuer. Pour la tuer. Tu moyen, c'est là. Avec la permission de qui? La bonne de sa petite soeur, c'est qui m'a dit de prendre son âme. Et pourquoi elle ne voulait pas prendre son âme? Elle vient laisser, mais elle ne peut pas faire. C'est toi, non, c'est toi qui es dangereuse. Réponds-moi. Réponds-moi. Oui, papa. Et donc, vous allez la tuer. Oui, papa. Comment tu as pu prendre son âme? Et la dentille est venue là. Elle m'a donné quelque chose de rouge. Elle la dentille est venue, elle m'a donné quelque chose de rouge. Elle allait mettre dans sa chambre là-bas. Comme c'est moi, il y avait un son lit parfois. Là. Et si je suis partie, il y avait un son lit et puis il est mis. Dans quel domaine là? Et puis, monsieur, tu prends. Elle t'a donné quelque chose, tu as mis sous son lit. Oui, papa. Et tu l'as endormi. Oui, les chrétiens qui ne priaient pas bien, bien, sorcier va te faire dormir. Vous priez, Seigneur Jésus, tu es mais. Oui. Toi-même, tu mords ta langue, c'est dangereux. Seigneur, Dieu m'a donné à manger. À manger. Yeah. Faut prier la nuit, faut prier, faut te lever la nuit, faut prier. Sommeil est doux, mais il y a cabri derrière. Tu ne peux pas dîner cabri. Voilà. Vous comprenez? Voilà, donc elle. Et donc tu as récupéré son âme, tu l'as endormi, c'est ça? C'est ça. Comment ça est? Tu as mis ça sous le lit? Oui, il a mis ça sous le lit. Comme ça, tu l'as endormi, puis tu as pris son âme. Oui, réponds-moi, Nia. Oui, oui, papa. Et vous allez la tuer? Oui, papa. C'est tout ce que tu as fait dans sa maison? Non, papa. Ah, ok, je t'écoute. Et puis il a bloqué l'étude de son enfant. Hein? Il a bloqué l'école de son enfant aussi. L'école de son enfant? Oui, papa. Quel enfant? Il s'appelle Yannick. Où il est? Yannick.
viens ici. Mets-toi au milieu. Arrangez un peu l'ordinateur là, j'ai bien voir les gens. Yannick aussi, oh, c'est grand état. Hein. Il passe maintenant la main. Ça va, Yannick? Non, bon, ça va. C'est ça la mec, la partie la même qui m'énerve ça. Laissez les gens là à l'école, ils vont développer leur famille. Ils vont faire avancer la Côte d'Ivoire. Ils vont créer des sociétés. On a besoin des ressources humaines. Les gens ont quelque chose dans la tête. L'Afrique se meurt à cause de ça. Les gens qui ont la connaissance viennent piller l'Afrique. On met les enfants à l'école. Laissez-les tranquilles. Des sorciers. Oh bien, oh, les sorciers. C'est la partie là même. Quand on dit ça, ça pisse mon cœur. Il est en quelle classe, Yannick? Terminal. Il est en terminal. Il a échoué. Comment tu as appris? Vous dites? Comment tu as bloqué? Le un jeu, le jeu des Pâques, le jeu parti passer sur son nom. Et puis c'est un point qu'on veut lui donner, là, il y a un nouveau dessus. Il dit quand ils ont composé le bac. Il a eu le bac, elle allait effacer son nom et puis elle a soustrait ses points qu'il a eu. Ah bon? Mmh. Tu as passé le bac? Il a passé le bac D. Ah bon? C'est un scientifique en plus. Tu as fait série D, c'est ça? Oui, avancé. C'est très bon. Tu es très intelligent. Tu t'es convaincu d'avoir le bac, c'est ça? Oui. Et puis elle a fait ça. Je comprends pourquoi la chasse aux sorciers là. Les gens jouent pas à vous. Ah! Ah! Tu vois un récalage, tu vois un blocage. Quelqu'un doit avancer, le bloque spirituellement. Il n'y a pas de raison. Il faut qu'il soit le récal. Bon, il a eu le bac. C'est ton problème. Non, il n'a qu'à se décaler. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Tu t'es passé son nom? C'est tout ce que tu as fait sur lui. On te pose question. Non, papa. Il dit, elle dit non. Il faut tout dire. Et puis, il n'y a plus son âme aussi. Comment tu as pris son âme? Parce que quand je te vois là, tu couches à elle. Faut parler en même temps, on va régler ça, tout ça. Parce que quand je te vois, tu couches à elle. Oui, papa. Pourquoi tu ne touches pas ce côté? Comment tu l'as eu? Tu sais comment tu l'as eu? C'est à partir de son sperme que tu l'as eu. Oui, papa. Pas de rivage. Bon, il y a les petits détails pas trop rentrer dedans parce que la vieille va trop voir ce qu'il y a dedans. Bon, on va. Le problème, c'est malheureux. J'ai mal. Parce que voici quelqu'un dont les parents ont financé l'école. Va à l'école. Qu'on arrive terminale, c'est un ouf de soulagement. Qui n'aimerait pas voir son fils aller dans les grandes écoles, à l'université? Qu'on arrive là-bas, c'est vraiment une bénédiction. Tu n'as rien à voir avec leur famille. Tu as trouvé un enfant. Et toi, par ta méchanceté, tu veux retarder l'enfant. Vous voyez, c'est... Or, aujourd'hui, là, l'Afrique a besoin des cerveaux. L'Afrique a besoin des gens. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est riche. On a besoin des ressources humaines. Le seul problème de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. C'est la pauvreté africaine. Il n'y a rien dans la tête. Et le problème, c'est que mystiquement, on peut détruire ta vie. On peut détruire ça. Voici une raison. Tu le récales. Et puis, il n'y a plus son âme. Hein? Et puis, il n'y a plus son âme. Tais-toi là-bas. L'âme, il faut laisser ça. Je parle d'abord
de col. C'est ça qui m'énerve déjà. Comme là, tu as donné, c'est pas pour te dire. Tu as donné. Mais afin, comment tu allais détruire son école? Étudier en Afrique, c'est pas musulman, je connais ça. Et là où il est là, on a besoin des cerveaux comme ça pour avancer là, pour avancer. Tu comptes quoi faire dans la vie? Bon, je voulais au départ devenir médecin, mais après j'ai préféré devenir professeur. Hein? J'ai dit au départ je voulais devenir médecin, mais après je voulais être professeur. Il dit quoi? Après quoi? Après je voulais devenir professeur. Après. Bon. Non, ce médecin là qui est bon. Comment? La carrière professionnelle, c'est la médecine généraliste. Tu serais un généraliste. Professeur, là, c'est là. Si tu veux vite manger, va manger vite, vite, vite. Pour aider maman, tu comprends? Pour aider maman, c'est vrai, vite, vite, c'est vrai. Médecin, c'est difficile. Mais tu seras médecin. Amen. Avec ta carrière de professeur, tu peux, ça peut même être pauvre. J'ai connu des professeurs pour jongler 2 mois. Le mois, c'est grave. Parce que, écoute, il y a 2 choses. C'est ce qu'on appelle la destinée orientée et la destinée prophétique. 2 choses différentes. La destinée de David. David était un berger. C'était une destinée orientée. Les parents ont dit, David, il faut devenir berger. Mais et puis, un matin, Dieu envoie Samuel dans la maison de Élise, Esaïe, le père de David. Il vient dans cette maison, il tue, il y a ses frères, vous. Dieu dit, non, c'est pas tout cela. Ok? Il pose la question à son papa. Il y a quelqu'un dans de lui, mais il est petit. Ouais, donc on le banalisait. Or, la destinée prophétique de David, c'était roi, la royauté. Alléluia. Vous comprenez? Souvent, nos parents nous orientent. C'est ce qu'on appelle la destinée orientée. Non, on ne peut pas faire ça, on peut faire ça. Or, en réalité, il y a une destinée pour laquelle nous sommes sur cette terre. Voilà. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Quand tu vas autrement, ça ne te reçu jamais. Sauf cela que ta destinée, c'est la médecine. C'est ça ta carrière. Bats-toi pour ça. Peu importe, mais maman va manger ça. Amen. Va acheter quoi pour maman. Elle va attendre. Elle va attendre. Paye les trucs, paye la chauffe trop. Des années en train de faire, d'apprendre le corps de l'homme, comment. Mais fille, mon fils, c'est normal. Tu penses à ta maman, tu comprends. Mais ta destinée tourera l'argent dans la médecine. C'est la médecine. Tu ne pourras pas échapper à ça. Mais c'est réglé à ton problème, c'est réglé ça. Amen. Ton problème de bac là, c'est réglé. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu venais à mon témoignage. Je suis parent de professeur. Amen. Merci papa. Vos âmes là, je n'ai pas besoin de lui demander permission. La Bible dit que tout ce que je délie sur cette terre sera délié. Donc je délie vos âmes maintenant. Amen. Vous c'est attaché là. Ça revient maintenant au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai un problème avec elle. On dit que tu es sorcier. Il dit non. Oh, tu es sorcier. Je n'ai pas parlé beaucoup. Ils sont partis. Il y a eu un jus dedans. Moi, je sais. Quand vous quittez comme ça, non, c'est un faux prophète. Ça, c'est votre chanson. Vous aimez bien. Non, les gars, on a abouti à ça. Moi, je suis habitué. Ça ne me dit plus. Quand il me faut, ça ne me dit plus. Je suis tellement abouti à ça. La Bible dit aussi qu'au dernier moment, parce qu'ils disent qu'au dernier moment, il y aura les faux prophètes. La Bible dit qu'au dernier moment aussi, les gens vont dénigrer. Au dernier moment aussi, les gens seront ennemis de ce qui est bien. Donc, ce n'est pas seulement que truc. Le prophète, on le reconnaît par sa prophétie. Tu es venu? Donc, tu es délivré. Papa.
Et donc, tu fais quoi avec la sœur de ta tante? Ben, il met boule dans son ventre et puis son enfant. Hein? Il met boule dans son ventre. Non, je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir. Mamie, laisse-moi faire mon travail. C'est quand je demande à quelqu'un de venir, la personne va venir. Tu as détruit qui encore? Et puis, il a détruit sa fille aussi. Elle dit quoi? Elle a détruit ma fille. Ta vie, oui, quoi? Il a mis boule dans son ventre. Elle a mis boule dans son ventre aussi. Boule dans ton ventre? Dans le ventre de ma quoi? Fille et puis ma petite soeur. Quelle petite soeur? Elle est là, Claire là. Et quelle petite soeur? La grosse là. Elle arrive. Tu la connais, elle arrive. Tu m'avais abandonné. Attends, là, il te voit pas. Ça va? Vraiment. J'ai réveillé aussi. Aussi du plateau. Bizarre. Ah, moi je vous aime. Je ne peux pas vous laisser tomber, même si on dit. Donc, c'est un problème, je vais réagir. Voilà. Même si vous ne priez pas là-bas, c'est parce que vous croyez en Jésus. Toutefois, pour les raisons du monde, je vais répondre positivement à ça. Il ne faut même pas. N'ayez pas peur pour ça. Merci, papa. Tu as mis vous dans le ventre là. Hey, bonne femme comme ça. Hey. Ça va venir matraquer maintenant. Amène ta tête ici. Faut parler à lui. Tu as mis boule dans son ventre. Comment? Qu'elle dormait là. Hmm? Qu'elle dormait là. La tante est venue me donner boule et les mains dans son ventre. Qui est tante qui t'a donné? La tante qui est là-bas. Ma grande sœur. Qui? Celle avec qui vous avez déclaré sorcière et Pierre lui a dit de ne pas parler là. Elle, c'est ma petite soeur. Donc, c'est elle qui t'a envoyé mettre une boule dans son ventre. Oui, papa. Et toi, tu ne sais pas dire non. Hein? Je sais dire. Hein? Je sais dire. Mais pourquoi tu acceptes toujours? Bah. Pourquoi tu ne lui dis pas elle-même? Pourquoi elle ne va pas faire? Allez, lui dire, pas faire. Laisse-moi tranquille. C'est ton tes parents. J'avais toi-même, tu avais l'esprit de nuisance. Parce que quand quelqu'un dit non, c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Il dit, toi-même, c'était un enfant sans. Tu voulais faire ça aussi. On a seulement que t'aider. On t'a dit, ben, ah oui, j'ai fait. Non, moi, il n'était pas dedans. Hein. On m'a dit de faire, puis j'ai fait. Mon cher, tu fais. Moi, quand quelque chose, je ne veux pas faire quelque chose, je ne me mets pas dedans. Tu vas pas me forcer, je ne me mettrai pas dedans. Et d'ailleurs, ça vient dans le sang. Je suis seulement dit faire, puis ils sont à chaque. Tu les as activés comme ça. Mais c'est méchant, en fait. Tu viens des gens hein, qui t'ont ouvert le bras, c'est-à-dire, et le cœur et la gentillesse. Et quand toi, ce qui est FBC, c'est-à-dire, j'imagine le beurre dans lequel tu te trouves. Même si tu penses que moi, c'est déjà quelque chose. Et en retour, c'est toute cette méchanceté. Le problème, quoi, c'est quoi même, pourquoi je parle? Parce que tu as nié ça au départ. Or, tu avais cette chance. C'est vrai que tu es en train de parler. Peut-être que c'est une pression de Dieu que tu es venu. Tu avais cette capacité, cette possibilité, excusez-moi. Tu avais cette possibilité de pouvoir régler ça. On pouvait bien régler ça. Excusez-moi. On pouvait bien régler ça dès le départ. Mais comme tu as traîné. Or, c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est des choses qu'on pouvait régler rapidement. Tu as traîné avec ça et puis bon, Dieu merci qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, excusez-moi, je suis en train de régler quelque chose chez moi aussi. Par la grâce de Dieu. Donc, la boule est dedans, c'est pourquoi? On va avoir pas en fond. Toi-même, tu es femme. N'est-ce pas ça? Hein? Papa. Si on met boule dans ton ventre, tu seras contente. Non, papa. Réponds-moi. Non, papa.
Si que vous ne voulez pas qu'on voit, pourquoi faire ça aux jeunes? Pourquoi? Parle à la dame pour dire, je n'ai plus dans son affaire, parle. Je n'ai plus de ton affaire. Dis-moi, non. Parce que tu as appelé, tu as mis le bout là. Tant que tu me vois, je n'ai plus de ton affaire. Viens, elle va parler comment? Elle a déjà parlé. Si on vous met à vous deux dans la maison, elle n'a pas témoigné. C'est le roi de prophète du diafoule. On vous met deux dans la maison à 1h30 du matin. On est de faire par là. Tous les coups sont permis. Hein? Pas de main dans ça pour te taper la tête. Il ne faut pas qu'on arrive dans l'histoire de. Voilà, c'est vrai que ça me fait mal. Mais au-delà de ça, il y a la compassion. Voilà, il y a la compassion. Je n'aime pas que les gens composent avec le diable. Mais au-delà, il y a la compassion qui m'amène à l'aider. Parce que le diable a usé de beaucoup de choses pour l'avoir. Il faut qu'elle quitte le royaume de Satan. Nous devons développer le royaume de Satan. J'ai une jeune petite fille comme ça. Quelqu'un va te manger, prendre. Tu vas aller manger sa langue comme au rognon. Comment elle s'appelle la gloire? Elle s'appelle la gloire. Bisous. Et puis tu piques sa langue. Tu fais sauce tomate avec ça pour manger. Avec la cassa. Matin, il est là, il se réveille à la dague. C'est pour ça que tu peux pas donner bisous à tout le monde. Hein? Sinon, sauce tomate. Agua, ça va? Oui. Bisous. Bisous. Bisous d'Agua, tu connais. C'est le langue à l'activer. Avec petite sauce tomate. Avec acassa pour manger ça. Tu vois? Tu vas te aller dormir quelqu'un. Non, il y a une femme. Il y a une... Elle est choquée, une petite fille, elle est belle. Elle va boire ton cerveau comme des gays. Ça va? Oui. Agua. Dégage. Matin, tu te réveilles, tu as tout oublié, tu as Alzheimer. C'est pas où tu t'en vas. On dit, monsieur, va à l'hôpital, tu te retrouves au marché. Tu cherches quoi là-bas, t'as dit. Tu comprends plus rien. Ah, aujourd'hui, à cause de sorcellerie, tu vas quoi avoir peur. Tu vois la petite qui te bipe les yeux. Faut fuir, hein. Bah, le pipage. Quand tu es bipé comme ça, c'est qu'elle va te montrer. À grand là-haut, on drague une fille. Ça va, petit, elle dit oui. Je t'aime, elle dit moi-même, je suis prêt pour toi. Quand vous partez, elle ne demande même pas oui, comment. Quand tu dis oui, tu es où, tu habites où. Elle-même, elle est prête déjà. C'est pas comme tu braques, puis c'est difficile, difficile. Non! Je suis seulement de dire ça va. Elle dit oui, je t'aime, elle dit moi-même, là. Tu habites où? Allons-y. Et qu'elle va te montrer la nuit. Elle va te porter Kanimba. Elle va mettre Kanimba dans la nuit. Là. Pendant que tu couches avec elle, elle-même, elle a son kiki. Et puis elle met dans pour toi. Quand tu finis le matin, tu vas au WC. Tu fais 9 heures du temps au WC. 9 heures du temps. 9 heures. Tu n'as pas dit, tu es une femme. Elle a donné l'hémorroïde à tout le monde. Quand les gens vont au WC, c'est là qu'il a vu qu'on dit non, l'hémorroïde, là, ça nerve le rectum. C'est quoi, comment on appelle ça, ça l'anus, la chore. Elle dit, il a donné lui, là. Quand tu vas là, tu pleures. C'est comme tu attendais d'accoucher. C'est ça la sorcellerie. C'est pour ça qu'avant de marier une femme, il faut scanner un peu. Ah, on ne sait jamais. Pendant que tu dors avec elle, elle s'envole. Elle est dans son diète. Tu veux te livrer. Alors, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Excusez-moi, je vais taper quelque chose. J'ai vu une attaque ici. Pendant que je suis en train de prier avec vous là-bas, je vois un araignée. Que la puissante main de Dieu vous délivre. Que sa gloire se manifeste. Où est l'autre? Non, je parle. Non, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Celle-même qu'elle a citée, si elle veut parler, elle viendra parler.
On force pas quelqu'un. Non, non, elle dit que les deux qu'elle a mis boule dans leur ventre là. C'est elle qui appelle. Où est la deuxième? Elle est là. Il y a la deuxième. C'est elle. Ah, ça va? C'est aussi. Ah, aussi, il est plein aujourd'hui. C'est comme ça aussi. La petite fille, elle a une laissez les gens évoluer. Vous, Sosnir, faites ça sur. Laissez les gens évoluer. Ça fait quoi? Tu prépares là-bas? Non. Hein? Non. Elle prépare pas la maison là-bas? Elle prépare non, souvent, elle prépare le riz. C'est le riz seulement, elle prépare. Souvent les soirs. Elle prépare souvent le riz. Mm-hmm. Où est elle prépare sauce? Non. Elle prépare pas ma sauce. C'est moi-même qui fais ma sauce. Elle avait beaucoup qui mangeait dedans. Elle prend son excrément pour mettre dedans. Vous avez bien mangé. C'est comme ça devient doux. N'importe quoi la sauce. Non, toi, ta vie, la série, c'est ma déjà fait. Au fait, c'est le problème même du petit là qui m'a cassé. C'est pas parce que les armes ne font pas mal. Âme, c'est vrai, on va délivrer. Mais quelqu'un qui fournit des efforts pour étudier et son bac, toi tu vas être là comme ça, ah, faut qu'il fasse un talent. Ah. Ça là, ça fait mal. Et ça te retarde. Et ça agit sur toi psychologiquement. Ça fait mal quand tu vois des gens, ils ont eu le bac, ils ont eu la promotion. On connaît ça, on a à l'école. Ça fait mal, hein? Ça, que tu vois quelqu'un en train de pleurer, ça cause ça. T'en es convaincu que tu vas réussir dans ta vie. Et puis il y a des trucs. Il y a trop de trucs bizarres, excusez-moi. Agua, il vient te piquer ainsi tu veux dire. Ouais, je fais ça pour charité un peu. L'araignée qui l'a tué là, c'est casse costaud. Hein. Jamais vu l'araignée. Jamais vu, hein. C'est ma première fois de voir ça ici. J'ai géré ça comme monsieur Maréchal. J'ai toutes les armes conventionnelles, anticonventionnelles. J'ai fait décoller ça la nuit. Va décoller. Ratissage partout. Ok, touchez vos bombes. Tous ceux qui ont mis des boules dans le monde, je prie, Seigneur, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu tout-puissant, en qui nous avons cru et nous savons que tu es capable d'agir, même à distance. Je prie que tu touches le ventre et ses sœurs, touche le ventre. Que tout ce qui a été pratique mystique dans leur ventre, tout ce qui est un boule qu'on a introduit dans ce ventre, soit brisé au nom de Jésus. Que ce pouvoir soit brisé par la puissance qui est au nom de Jésus. Intervient pleinement. Et pendant que je prie, qu'une onction particulière de guérison s'empare de leur ventre et que plus jamais que cela disparaisse au nom de Jésus. J'ordonne à ces boules de disparaître de leur ventre. Je commande à ces boules de partir. Dans le nom de Jésus. Recevez le miracle de Dieu. Recevez cette grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, Dieu bénisse. Tu veux être délivré, toi? Tout autant, c'est toi. Tu veux être délivré. Ah oui, papa. Où est ta maman, là? Me voici. Tu es venu aussi. Je vais prier pour le jeune homme d'abord. Mettez le genou, c'est important que je prie pour lui, pour de sa destinée. C'est très important. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur lui. Je prie au nom de Jésus-Christ, en libérant sa destinée. Je libère son âme, je libère son esprit, je libère toute sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Je libère sa carrière professionnelle, au nom puissant, sa destinée est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu protèges son âme. Je voudrais que son âme soit restituée. Et que le diable soit jamais vaincu de sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je déprogramme tout esprit de mort sur sa vie. Je proclame ta puissance sur sa vie.
Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, viens. Ta mère. Seigneur, merci pour ta servante. Je veux prier et détruire tout ce qui est sémence du diable. C'est-à-dire toute sémence qui n'a pas été plantée par mon Père, c'est-à-dire le Père Céleste, à chair, sera déracinée et jetée au feu. Cette sémence de la mort est détruite au nom de Jésus. Cette sémence de pauvreté, je détruis cela. Toute sémence satanique dans sa vie soit détruite dans le nom de Jésus. J'ai détruit cette œuvre au nom de Jésus. C'est une veuve. Et regarde ce qu'elle rencontre sur son chemin. Éternel, délivre-la. Restaure-la. Agis dans sa vie. Au nom de Jésus, que je prie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Où elle est? Tu veux être délivré? Oui, papa. Hein? Oui, papa. De la sorcellerie. Papa. Touche ta tête. Je commande à l'esprit de la sorcellerie. Depuis la France, je vais parler à l'esprit qui a mis à toi. Ce démon de la sorcellerie dans ta vie. Pendant que je parle, j'invoque l'esprit de Dieu et je brise toute présence de la sorcellerie dans ta vie. Je commande à ce démon, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. C'est un ordre. Maintenant même. Quitte son corps pour qu'elle soit totalement libérée. Tu es rentré dans sa vie au travers du pain. Tu es rentré dans sa vie au travers d'un aliment. Tu es rentré. Alors je te commande de partir. Sors d'elle. C'est un ordre. Quitte sa vie. Tu m'entends? Quitte sa vie. Voilà, quitte sa vie. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Il va quitter son corps parce que Jésus est Seigneur. Il va quitter son corps parce que Jésus est tout puissant. Tu vas quitter son corps parce que Jésus-Christ a décidé de libérer cette vie. C'est un ordre et tu vas l'exécuter. Aucun démon n'est plus puissant que Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Et tu fléchiras les genoux ce soir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je crois à un Dieu souverain dont la distance n'existe pas chez lui. Mais son nom seul suffit pour neutraliser le pouvoir des ténèbres. C'est pour cela que pendant que je parle, tu quittes le corps du adjoint. Où est sa maman là? Adjoa, Adjoa, regarde-moi. Depuis que je prie pour toi, tu ne fermes pas les yeux, c'est pas là? C'est pas là? Réponds-moi. Réponds-moi, c'est pas là? C'est pas là. Qu'est-ce que tu as? Parle fort. Son esprit, Adjoa a laissé son esprit, là. Elle a laissé ça à la maison avant de venir. C'est pas ça? Adjoa a laissé l'esprit de sorcellerie avant de venir au centre, là. Elle a laissé là-bas. C'est pas ça? On te pose question. Non. Où tu as laissé ton esprit? C'est à mes yeux. Tu en parles avec moi? Non. Mais tu me parles comment? Enlève ta main sur ta tête. Enlève ta main. C'est pas une mise en scène. Où tu as laissé ton esprit? C'est à mes yeux.
Et pourquoi? Ça dit que tu as gardé la sorcellerie là, tu es venu, c'est ça? Je suis en train de parler avec toi, je ne suis pas en balade avec toi. J'ai dit que c'est par respect pour elle que j'ai décidé de te prendre, sinon moi je t'ai pas obligé. Voilà, parce que j'avais déjà de ne pas nier, discuter, nier. Tu as laissé ça à la maison? Oui, papa. Pourquoi? Elle a tenté de ne pas sortir avec. Hein? Elle n'a pas sorti avec. Non, mais ça c'est une accusation. Parce que tu es libre. Tu n'es pas une petite sorcière. Tu es libre. Si tu veux être délivré, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a souvent les semblants de délivrance. Tu vois, il y a des semblants de délivrance. Je te dis une chose. Là où tu es arrivé, ce n'est plus de l'amusement, ce n'est plus un jeu. Tu comprends? Ce n'est plus un jeu. Tu comprends? Ce n'est plus un jeu. Tu t'as mis, excuse-moi, ce n'est pas des menaces. Tu risques de perdre ta vie. Tu comprends? Pendant que j'ai pris pour toi, j'ai eu cette vision que ton l'esprit des ténèbres est resté là. Donc, tu es là, mais l'esprit n'est pas là, le démon en question n'est pas là. Cet esprit de la sorcellerie n'est pas là. Il est ailleurs. C'est pas là. C'est papa. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux être délivré. Mais tu veux être délivré et puis tu laisses, tu fais semblant. Parce que c'est quoi que tu mets ça là-bas. Et tu viens à l'église. Donc, je stoppe la science aujourd'hui, je vais te reprendre demain. Parce que moi-même, là, je suis dépassé de ta réaction. Parce que quand je commence à parler, prier, j'ai commencé à ordonner, l'esprit n'est pas là. L'esprit même qu'on devait chasser, tu l'as gardé, c'est possible, c'est ce que je suis en train de vous dire. On peut mettre un esprit dans un arbre, on peut garder ça, puis venir dans l'église. Parce que c'est un démon, elle peut commander, de toute façon, elle commande à l'esprit de voyager, elle peut commander à l'esprit. Et puis venir parce que c'est pas une petite piste d'obstacle. Je te laisse du temps avec Dieu. Faut aller demander pardon à Dieu. Faut aller te repentir. Demande ta délivrance. Allez, soyez bénis.